En dehors des missiles anti-char Javelin et des obusiers M777, l'armée américaine livre également à l'Ukraine des véhicules de transport de troupes M113. Ces images ont été dévoilées ce samedi, au moment où Emmanuel Macron annonçait à Volodymyr Zelensky que la France allait renforcer l'envoi de matériel militaire et humanitaire à l'Ukraine. Paris envoie déjà à l'Ukraine des canons automoteurs César. Les Allemands ont finalement décidé de livrer des Flak Panzer Gepard pour la défense antiaérienne et Londres des blindés Stormer. De leur côté, la Pologne et la République tchèque fournissent des chars T-72 de conception soviétique. Les chars sont des armes militaires très importantes pour l'armée ukrainienne. L'artillerie est efficace pour attaquer à distance, mais les chars sont importants pour le combat rapproché. Ils protègent les soldats. La France ne donne pas le détail de ses livraisons à l'Ukraine. Selon l'Élysée, l'aide humanitaire française à l'Ukraine représente à ce stade 615 tonnes d'équipements et notamment du matériel médical pour les hôpitaux et l'hébergement d'urgence.